Voilà. Je coupe, je vous baisse un peu le son. Bonsoir ou bonjour YouTube, à quasiment quelle heure tu regardes cette vidéo. On va donc redécouvrir Super Smash Bros. Non pas par hasard, hein, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'annonces au nouveau Smash Bros. Et ça m'a donné envie. Donc on va se faire un petit peu, on va se faire tout simplement le mode classique de chaque Smash Bros. Donc un petit coup du mêlée, un petit coup du brawl. Voilà, ça paye pas. On va se faire 3 Smash Bros, une espèce de, ça comme vous voulez, un rétro-ton. Enfin voilà, c'est une petite redécouverte. Par contre moi, Super Smash Bros 64. Je m'en souviens pas beaucoup. Alors attendez, je peux même vous montrer un truc. Ne bougez pas. Le bordel, je me cache pas. Donc moi voilà, comme une fois, moi les Smash Bros je les ai tous, hein. Donc voilà, je peux vous montrer si vous voulez le Smash Bros original. Le voilà. Très content de l'avoir, hein. Donc voilà Smash Bros, je peux vous montrer un peu si vous voyez bien. Voilà, il est nickel en plus, hein. Je suis assez content. Il est assez propre. Voilà, je suis juste histoire de vous montrer le Smash Bros de l'époque. Comment, à quoi ça ressemblait la boîte, quoi. Donc on va se retaper un peu Smash Bros, c'est pour le fun, voilà. C'est gratuit, il n'y a pas vraiment de raison, mais bon. À part que Smash Bros revient en force en ce moment. Et on va se prendre un petit Mario. Ah mais attendez, un player game. Attendez, un player. Joie de time. Time. On va mettre 5 minutes. Alors je m'en souviens plus du tout, hein. Attention. Link. Alors, on va faire le mode classique. Comment on joue déjà ce putain de Smash Bros. Voilà. Super Smash Bros. Sorti en 99 si je dis pas de bêtises. Ah faut sauter comme ça du coup. Ah ouais ça va être compliqué, hein. Il y avait même pas vraiment de smash en fait, c'est-à-dire qu'on faisait un espèce de... Ah il était vraiment lourd, enfin il était vraiment lourd dans le sens, pas lourd bien, mais lourd dans le sens où, putain, Mario... Enfin les personnages se maniaient assez lourdement. C'était vraiment... on dirigeait des enclumes, quoi. Et en plus on sautait avec le stick vers le haut. Est-ce qu'il y avait déjà la tornade? Il s'est fait baiser tout seul. Paf. Moi je croyais toujours Mario, hein. Toujours pris Mario, ça a toujours été mon main dans les Smash Bros. Ta 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 ta. Moi je l'ai eu assez tôt en fait, enfin, ça fait longtemps comme que je le connais ce Smash Bros. Je l'ai pas découvert comme beaucoup récemment et tout, enfin, moi je l'ai eu un petit peu après Melee. J'ai eu Melee et après j'ai eu 64 et j'ai eu ce jeu. Donc j'ai découvert assez tôt. Mais comment dire? Mais en fait, attendez, c'est peut-être un petit peu fort. C'est un peu fort pour moi, je trouve. Je mets ça à 3. Je sais pas, vous entendez bien, vous? Ouais, c'est bon, ça va aller. Et moi, j'ai découvert très très peu de temps après Melee, mais forcément, j'étais... Putain, quel connard. J'étais un peu déçu, forcément, quand on a découvert Melee. Ah putain, mais alors... Paf. Quand on a découvert Melee, qui a un contenu de ouf pour l'époque...
Et après on passe sur Sauce Vengeance, forcément quand on est petit en plus on est un peu déçu. Moi j'étais clairement déçu parce que je me disais putain mais y'a rien. Y'a quoi, y'a 10 persos à tout casser, je crois qu'il y avait une dizaine de personnages. Y'a très très peu de stages. Puis y'a que le mode classique quoi, y'a pas de mode aventure, y'a rien d'autre quoi, y'a que le mode classique. Je crois qu'il y a rien d'autre quoi. Y'a très 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 peu. C'est un jeu qui est vraiment un contenu très très faible en vrai. En tout cas même pour l'époque je trouve qu'il avait un contenu faible. Comparé à Melee en tout cas c'est sûr que voilà. Est-ce que c'était juste une première tentative, ils ont pas voulu trop prendre de risques pour le premier volet de la série, je ne sais pas. Peut-être. Paf! Il y avait toujours les accessoires. Il y a quand même des trucs qui sont restés quoi depuis ce premier Smash Bros. Hein. Clairement. Il y a clairement des trucs, tout est resté quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Hop, comme par exemple là le bouclier. Avec les petites esquives et tout. Ça c'est resté. Et moi je trouve ça plutôt classe. Fox McCloud. Ah il a pas dit McCloud, il dit juste Fox. Ah ce stage était pas mal pour l'époque. Avec le jeu quand même a sacrément vieilli. Ouais. What? Paf. On va le défoncer le Fox. Ils étaient bien faits les personnages quand même pour la 64. Hein. Même Mario, il a la classe. Bon, Mario, il est un peu polygoné à mort. Hein. Il est mieux fait dans Mario 64, je trouve. Hein. Et globalement, les attaques qu'il a, Mario, genre ça, l'espèce de... Voilà, ça, il l'a encore aujourd'hui. Hein. Il y a des trucs quand même, il a la boule de feu. Si je fais ça, attends, si je fais B... Il n'y avait pas ça encore, genre B plus direction, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. Les mines, il y avait déjà ça par contre. On se souvenait plus. On va essayer de faire en sorte qu'il se fasse avoir. Mais il va pas se faire avoir. Est-ce qu'il va se faire avoir? Si, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Game set. Le jeu était full anglais. Hein. Il se faisait pas chier à l'époque. Hein. Le jeu, c'était du full English. Hein. Ah, il y avait déjà les breaks de target. Je m'en souvenais plus de ça. J'avais un doute. Ça, j'ai rien dit parce que j'avais un doute. Mais il me semblait. Je savais plus s'il y avait déjà les cibles. Ça, c'est des mini-jeux que j'aimais bien. Par contre. On va essayer de se manier. Ah, en plus, faut sauter avec le stick haut, c'est horrible. Paf, paf. C'était ignoble. Ah, putain. Ah, je vous jure vivement qu'on passe sur Melee parce que... Hop. On va essayer d'y arriver, c'est pas trop dur. Ok, bravo. Paf. C'est bon. C'est pas trop difficile. Ta-ta-ta-ta! Ah, il y avait Luigi, ouais, déjà. Il y avait déjà Monsieur Luigi. Personnage que j'adorais dans Smash Bros. Je sais pas pourquoi, j'avais un kiff sur ce personnage. Ce qui était difficile à débloquer dans Smash Bros. Melee. Et je le kiffais. Et c'est pas Mario, c'est Wario, ça. Et il y avait déjà le costume de Wario. Vous voyez qu'ils avaient déjà peut-être pensé à mettre Wario, quoi. Parce que les couleurs de Mario, là, c'est complètement du Wario, quoi. Putain, le bâtard. Paf. On va lancer ça. Mais bâtard, j'ai pas réussi. Mais putain. Oh. Oh putain. Bon, y'a Mario déjà qui s'est fait avoir. Paf. Ouais, j'ai gardé des restes quand même. Hein. Attends, je vous enlève la souris, excusez-moi. Pikachu. Et il y avait déjà la main à la fin, le boss de la main. Qui était pas mal. Ta 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 ta. Je n'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie. C'est vrai. True story, hein, j'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie. Hein, sauf le jaune que j'ai fait à moitié. Mais on va dire que j'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie. Et il faut défoncer par Voltorb. Il y avait déjà les shops, hein, je crois. Et viens là. Voilà, il y a déjà les shops. Putain. Ah, je vais me faire baiser. On va l'avoir comme ça. Hein. Ils étaient pas très 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 durs. Hein. Paf. Ah,
Allez, le Kirby. Le Kirby, le Pikachu. C'est quoi ça déjà? Ah oui. Oh, une batte de baseball. En vrai, c'est... Paf! Ça, la batte de baseball, c'était mortel. Alors ça, si t'arrivais à placer le coup avec des adversaires quand tu jouais avec des potes, c'était fini. Hein. La batte de baseball, c'était quasi sûr que tu l'expulsais. Ah oui, les giants dans Donkey Kong. Il y avait déjà les trucs géants. C'était pas mal, ça. Mais vraiment, ce Smash Bros... c'est un Smash Bros qui a quand même carrément vieilli, quoi. Avec la musique dans Donkey Kong. J'adore dans Donkey Kong, hein. Oh, une bombe. Non. Mais quel coup. Qui c'est qui l'a explosé? C'est Samus qui l'a explosé. Allez. Alors Smash Bros Melee, c'était une tuerie aussi. On fera ça, ça va pas durer longtemps parce qu'on va juste faire le mode classique. Parce qu'il y a que ça, hein. Il y a que le mode classique, hein. Rêvez pas, il y a le mode target du coup. Mais mode classique et mode target, le reste vous avez le mode multijoueur. C'était vraiment un jeu fait pour multi. Ah oui, il y avait ça, alors ça ils l'ont jamais repris ça. C'est un truc qu'il y avait que dans ce Smash Bros. Le coup de... C'est un peu même principe que les cibles, sauf que là faut aller sur des plateformes. Là c'est carrément un jeu plateforme, quoi. Faire, pas faire de la merde. Pff, faire de la merde. Ok, c'est pas trop difficile. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Je suis en mode normal, ça va. Kirby Team. Ah, il y a 8 Kirby. Ah, ils arrivaient quand même à foutre. Ah non, quand même pas, non. Non, j'allais dire, ils arrivaient quand même à mettre 8 adversaires sur 64, mais ça m'aurait étonné. Hein. Il y en a 2. Hein. Kirby pouvait déjà avaler ses ennemis pour prendre leur apparence. Enfin, leur apparence, pour prendre des aptitudes de leurs adversaires. Paf! Bon, moi, ils sont pas trop durs à battre. Ah, ça va m'aider, ça. Il y en a presque plus. Oh, le salopard ici. Il a esquivé, vous avez vu ce qu'il a fait? On pouvait déjà faire ça. Bon, je vais les avoir à la loyale. Lui, il est tombé comme une merde. Allez, décoince-toi, toi. Alors ça servait juste à faire des dégâts. On peut plus enchaîner dans... Paf! Ah, ce Smash il est assez puissant quand même de Mario. Mais ouais, mais Super Smash Bros c'était... donc c'était quand même pas mal pour 64. Mais c'est pas, je sais pas si c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès à la sortie de la 64... Enfin à la sortie sur 64. Parce que c'est un jeu où on a quand même... Moi je me souviens pas en avoir trop entendu parler, quoi. J'ai un Melee, moi je me souvenais quand j'ai vu Melee, pourtant je connaissais un peu 64 avant, je me souviens pas entendu parler de ce jeu. Donc, et pourtant avec les copains et tout, voilà, et des copains on l'a découvert après ce jeu, donc c'est un jeu qui a vraiment été assez inconnu, quoi. C'est un jeu qui a pas, peut-être pas tant marché que ça, je pense. Mais peut-être que je me gourre, hein. Ça se trouve c'est un jeu qui s'est hyper bien vendu, je suis pas au courant. Hein. Mais moi ça m'étonnerait, parce que en tout cas moi dans mon coin j'en entendais pas parler, hein. En 99, 2000, bon j'étais petit mais je me souviens un peu d'avoir lu des magazines de jeux vidéo et tout et non, pourtant j'avais des potes qui avaient 64 et ils l'avaient pas ce jeu, c'est clair. Parce que j'ai découvert tout seul après. Hein. Quand j'ai eu Smash Bros Melee, on m'emmenait dans des petits magasins de jeux vidéo, puis je vois ça dans la vitrine, je fais oh un Smash Bros, je le connais pas celui-là, je savais même pas qu'il y en avait un. Ou c'est quand au début d'internet, quand en école primaire, en salle informatique. Hein, vous savez, la salle informatique là de merde avec les Windows 98 ou XP quand ça venait d'arriver, c'était en l'occurrence c'était Windows 2000, hein, je crois, à cette époque là. Non, je vais crever. Non, non, c'est bon, j'ai réussi, j'ai du bol. Hein. Hein, les vieilles salles informatiques là où il y a la connexion dégueulasse. Et bah, t'allais sur jeuxvideo.com à l'époque, et moi je me souviens, j'allais là-dessus, et puis c'est là que j'avais vu qu'il y avait un ancien Smash Bros. Après, je le cherchais en boutique. Quand je l'ai vu en boutique, j'ai fait ah bah, je le veux. S'il te plaît, mamie, achète-moi Smash Bros. Bah, c'était un peu ça.
Du coup, c'est comme ça que je l'ai eu. Après, je l'ai revendu, hein, parce que j'avais trouvé ça pourri. Quand je l'ai fait, j'étais ultra déçu, je l'avais revendu, parce que quand j'étais petit, j'étais con, je revendais tout. Et je l'ai racheté plus tard, quand je me suis remis à racheter des jeux, quoi. Des jeux rétro. Je l'avais repris. Et je l'ai repris en boîte. C'est con, j'aurais dû garder celui que j'avais à l'époque, avec ma sauvegarde de l'époque, mais du coup, je l'ai pas. Ça, c'est le Mario Metal. Pas très très difficile à battre. Vas-y. C'est vraiment chaud. Alors les métals sont très très chauds à tuer, forcément s'ils sont en métal. Il est à 200%, voilà. Il est à 200%, pourtant je le marave, il n'y arrive à rien. Peut-être avec une. Peut-être avec ça, il va se faire avoir. Quand même. Ça va, il s'est fait baiser. Est-ce qu'il y avait un autre boss là? Comme dans Melee. Ouais, ça il a repris dans Melee ça. Encore un bonus stage qu'ils ont repris dans Melee. De se manier. Alors moi quand je voyais ces ennemis là, je me suis dit ah mais il y a des persos à débloquer. Parce que quand j'avais débloqué tous les persos, j'étais persuadé qu'il y avait un merde, qu'il y avait un autre perso secret. Je me suis dit bah il y a comme dans Melee, il doit y avoir des tas de secrets, mais en fait il y en a pas beaucoup. Il y a très 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 peu de choses à débloquer. Une fois que vous avez tout débloqué, ça se fait assez vite. Ça se fait vraiment très très vite. Voilà, c'est-à-dire que vous finissez le jeu, vous débloquez quelques stages, quelques persos, il y a 4 persos à débloquer, une fois que vous avez débloqué, c'est fini quoi, vous avez plus rien à faire, il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de... À part aussi les target stages là, ou avec les cibles, quand vous avez fini ça, c'est le jeu est terminé. C'est vraiment un jeu fait que pour le multi. C'est un jeu exclusivement fait pour le multi. En solo, il n'y a pas beaucoup de contenu. En solo, vous allez vite vous faire chier, et comme moi, je... ces personnes qui jouaient à Smash Bros avec moi, à celui-là en tout cas, bah du coup forcément, ouais forcément, j'y jouais tout seul quoi. Voilà, et tout seul on se fait vite chier, croyez-moi. Donc c'est un bon Smash Bros pour jouer en multi. Je pense que les puristes, peut-être qu'il y a des puristes qui adorent ce Smash Bros, moi personnellement, ça restera mêlé quoi. Quoique Smash Bros Ultimate, possible qu'il devienne un de mes préférés. Hein. C'est juste qu'ils ont annoncé quand même, c'est du lourd. Hein. Ça serait le Smash Bros ultime. Hein. Ah, je me suis fait baiser. Ah, ça les baisse quand même avec le flingue. Allez, descend dans Kekong là. Ouh, c'était une caisse piégée. On va les avoir comme ça, ça sera plus simple. Ça c'était pas mal. Il y en a encore beaucoup hein. Wow. Wow. Bon. Vous démarrez les bruits. Wow. Oh la maxi tomate. C'est bon ça. Un maxi tomate elle donnait quasiment tous les pourcentages. Elle remettait les pourcentages à 0. Ah merde, j'ai perdu une vie avant. Là je suis tombé. C'est pas grave, il me reste 3 vies. Ça devrait le faire. Master Hand. Est-ce qu'il y en avait deux aussi là? Elle était vachement bien faite la main. Et la modélisation est super. Hein. Honnêtement, c'est presque identique à ce qu'on a sur sur Melee. Hein.
qu'il pouvait avoir la deuxième main? Ok, parfait. Ah putain, j'aurais dû esquiver. Hop, ça c'est pas mal. Utilisez toujours les esquives. Et moi carrément c'est pas un Smash Bros que je porte dans mon cœur, à part pour un peu de nostalgie, mais vraiment c'est pas celui auquel je prends plus de plaisir, si vous voulez. Tire qu'une fois. Ah, il va me défoncer, je vais m'éjecter. Non, ça va. Ah, ah, je peux pas sauter. Merde. Ça va, je devrais l'avoir. Putain. Saute. Sur sauter avec le joystick, c'est horrible. Et en plus, on est en normal. Il m'a touché quand même, ce salopard. Elle est plus facile quand même d'en mêler, hein. Là, facile en mêlée que là. Attention, ça c'est violent. Allez. Parce qu'on va la bourrer. Paf. Mais est-ce qu'il y avait une deuxième main qui pouvait apparaître déjà dans ce Smash Bros? Parce que je sais que dans le Smash Bros mêlée, il y avait une deuxième main qui pouvait apparaître, hein. Il me semble, hein. Non, c'est pas exemple, c'est sûr, mais là je suis pas sûr. La musique qui fait peur. Et on a fini le jeu. Voilà. Donc il y avait que ça en fait, c'est le mode classique en fait, ils appellent ça maintenant le mode classique. Et il y avait déjà ça. Comment on fait pour tirer? Ah oui, d'accord, c'était moins funny que dans Melee, hein. Voilà. On pouvait accélérer, voilà, il n'y a que ça. Il n'y avait pas de décor. C'était vraiment un espèce de vitrine, entre guillemets, pour voir voilà ce qu'on peut faire. Ce qu'on pouvait faire au niveau de Smash Bros. Attention, Rondoudou après. Il était bien fait, Rondoudou. Allez, on va le faire. Pour le fun, on va débloquer Rondoudou. Il fallait juste finir le mode avant, enfin le mode classique une fois. Ça vous montre un peu comment ça se passe pour débloquer les persos. Il s'est fait défoncer. Et on va le défoncer, Rondoudou, là. Putain, il était vraiment facile, hein. Très très facile, hein. Et maintenant, tu peux utiliser Jigglypuff. Et là, je vais vous montrer. Bon, il a paru, là. Voilà, le voilà. Et il y a encore 3 personnes bloquées, mais seulement 3. Il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y a pas de. Vous inquiétez, ça, le menu va pas s'agrandir, hein. Rêvez pas. Hein. C'est vraiment, il n'y a que ça, quoi. Donc il y avait quoi? Bonus 1 practice. Break the target. Et puis il y avait les plateformes. Bon, je peux vous montrer, hein, les plateformes. Par exemple, on va le faire avec Link. Je vous montre un peu Link. Voilà, il y avait ça. Voilà, à la limite, il y a ça à finir. C'est le seul contenu que vous avez. Les targets, les cibles. Je sais pas pourquoi je dis target, mais j'aime bien. Et puis ça. Voilà. Tout simplement. C'était pas fameux, quoi. Allez, merde. Oh, voilà. Je me suis foiré. Je me suis foiré comme une merde. Mais bon, je vous montre avec Fox. Merde. Pourquoi j'ai fait B? Parce que là, la VD, elle fait que 24 minutes. Donc, à la limite, je peux vous montrer. J'ai le temps. Donc, il y a Fox. Fox qui est rapide. Ah, merde. Elle revient pas à la plateforme. Ah non, c'est bon. Ah! Ah là là, mais je me fais avoir. Oh là, c'est chiant, quoi, vous voyez. Bon, là, je fais de la merde aussi, hein, je viens l'avouer. Bon, attends, on va faire gaffe à ça, du coup. Allez, hop, on est pas mort. Oh putain, ça c'est chiant.
Ok, on va revenir là-bas. Comme il est rapide, il est adapté à son niveau. Enfin, chaque niveau est adapté au personnage. À la limite, c'est ça qui était quand même... Qui était assez couillu. Voilà. Mais là, du coup, je me fais baiser parce que je dois revenir. Il me manque une plateforme. On va revenir, on va le faire, on va finir. Pour le beau jeu, quand même. Hop! Voilà. Mais c'est tout, voilà. Je vais vous montrer un autre. Un autre truc de des cibles, si vous voulez. Genre avec. Tiens, avec Samus. Samus, j'aime bien. Seule apparition de. D'ailleurs, petite info. Seule apparition de Samus. De Metroid, donc dans. Dans un jeu 64. Hein. Il me semble, hein, moi, il me semble, je me suis renseigné. Samus n'est pas apparu dans un autre jeu 64. Mais je peux me tromper si vous avez. Si vous avez quelque chose, un argument pour me. Enfin, vous avez une preuve. Je fais complètement de la merde. Attends d'avoir commencé. On fait retry. Si vous avez une info comme quoi Samus a apparu autre que Smash Bros sur 64, dites-le moi. Parce que moi, j'ai pas trouvé. Donc j'affirme rien, mais moi, il me semble que Samus est la seule fois où elle a apparu. Et c'est je trouve ça intéressant de le souligner parce que. C'est une licence Metroid qui a été abandonnée sur 64. Enfin, en tout cas, pendant une génération, carrément. C'est une licence qui a sauté une génération. Il aura fallu attendre la GameCube et la GBA pour revoir. Est-ce que je peux lancer des missiles? Non. Ah bah non. Donc je peux faire ça. Ah merde. Non. Ah mais je peux pas du coup. Et elle pourrait pas faire des wall jump. Ouais non. Bref. Bon, vous avez compris le principe. Hein. Vous avez compris le principe. Et voilà, je vous ai montré quasiment tout le contenu. Il y a rien d'autre training mode. Je crois qu'il n'y a pas le truc des sacs. Non, il n'y a pas le truc des sacs où on peut l'envoyer. Il faut l'envoyer le plus loin. Donc c'est vraiment... Ah, je crois qu'il y a un bug en fait depuis le début. Bon, c'est pas grave. Il y avait un bug autour de l'écran. Voilà, vous avez vu Super Smash Bros. Sur... Nintendo 64, donc voilà, on passe tout de suite à Smash Bros. Melee, et je vous dis à tout de suite YouTube.